Alors, donc pour continuer la suite, lorsque nous sommes sur l'endroit, on change simplement ceci et je remets du tout une même aiguille. Avec toujours ma laine, que je vais faire, je vais relever simplement chaque maille ici avant donc de les tricoter ensemble. Donc je prends la maille que j'ai relevée et la dernière maille de l'aiguille, je tricote ensemble et je prends maille à l'endroit. La dernière maille, je ne vais pas la tricoter. Ce que je vais faire, je viens récupérer aussi au début. Et je les tricote ensemble. Comme ceci. Je tourne, travail. Je repars à l'endroit. Tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc on va relever graduellement donc toutes les 11 mailles qu'on a laissé au début. Première, deuxième, je tricote les deux ensemble. Le travail et on repart à l'endroit. C'est simple, il suffit de bien relever les mains de chaque côté pour les travailler ensemble avec la première et la dernière maille de chaque côté. Dernière, tricoter ensemble. Voilà comment on va relever donc les mailles de cette partie. Alors, lorsque nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5 barres de points de mousse,
on récupère donc notre seconde, la dernière maille relève, et on vient, on plie simplement donc le travail, on va relever, hein, on fait avec un crochet, ce sera plus facile. Une maille, deux mailles, et puis trois mailles, et on le replace sur l'aiguille et on repart à l'endroit sur toute la rangée, sur toutes les mailles. Ici aussi, on fait la même chose, donc on relève la dernière maille. On tricote ensemble et on vient relever trois mailles une fois, deux fois. Et puis trois fois. Donc à partir de là, on va monter. On va monter une, deux, trois rangées, trois parts de points de mousse. Alors après avoir monté donc trois barres de points de mousse, cette fois-ci, on va monter 8 rangées tout en jersey. En droit, donc, on fait 8 rangées en jersey en droit, et on repart à l'endroit. Donc on monte 8 rangées en jersey en droit. Lorsqu'on va monter ces 8 rangées en jersey en droit, et à la fin, donc, on va prendre notre crochet. Ce qu'on va faire, c'est plier le travail en deux, comme ceci. Voilà. On prend une maille, on vient avec la maille du premier rangé, donc
et on refait sur toute la rangée. On va arrêter donc les mailles de cette manière. Cette rangée. On va répéter l'opération jusqu'à la fin. Terminer. Dernière. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est de faire la couture. Faire notre couture. On va cacher le petit bout de fil qui traîne avec une aiguille. Et on va réaliser une chaînette double. Une maille. Dans la première, on ressort, on tricote, bien piqué, et on refait la même chose jusqu'à une hauteur souhaitée pour avoir notre double chaînette. On termine et on fait une autre couture. On termine. Et on prend notre crochet. On fait et voilà, terminé donc notre chausson. On va simplement cacher le reste, des petits bouts de fil qui traînent. Et voilà, donc terminé. Dernier chausson. Notre brassière qui va avec. Et pour finir. Et voilà.